Mesdames et messieurs, merci de toujours nous suivre. Bienvenue à la chronique du soir. C'est le décryptage des faits marquants de l'actualité nationale et parfois internationale avec notre consultant politique Agapit Napoléon Mafourikan. Bonsoir. Bonsoir, Omer. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Très bien. C'est bien compris maintenant et c'est bien cerné. Vous devez le retenir désormais. La force Cori pour un Bénin émergent sera bien évidemment, aura deux candidats pour la présidentielle de 2021, puisque le parti donc dirigé par Paul Rumpé est disponible à pouvoir négocier les parrainages. Est-ce une surprise, Agapit Napoléon Mafourikan? Pas du tout, ça ne peut pas être une surprise, parce que, comme je dis, ce parti au moins a la clairvoyance donc, de s'adapter, donc de se conformer au jeu, aux règles du jeu, et donc de comprendre que les lois de la République s'appliquent comme telles, et donc un parti politique doit pouvoir s'adapter à l'environnement dans lequel il fonctionne. Donc, FCBE a participé au dialogue politique. FCBE a fait des propositions que la plupart ont été prises en compte. FCBE était aux élections communales. Ils ont quelques mairies. Et voilà. Si, mairie. Donc, c'est normal. Et quelques conseillers élus policiers, là, quelques chefs d'arrondissement ailleurs. C'est normal que ce parti soit présent à la présidentielle. Et donc, lorsque ce débat avait commencé, je vous l'avais dit plusieurs fois qu'il ne s'agit pas pour un parti d'avoir 10 mairies ou 16 mairies pour dire c'est bon. Si le candidat parti même a un candidat, et qu'il y a la cacophonie qui s'installe au sein de ce parti, qui a peut-être 20 mairies ou 50 élus, il peut ne pas. Il peut avoir tellement de candidats que le parti en question n'arrive pas, en tout cas que tous les candidats n'arrivent pas à avoir d'élus. Donc le parti, le parrainage, même s'il est donné par des représentants, par des candidats, et des élus provenant des partis, même si le parrainage est donné par des candidats, par des élus provenant des partis, le parrainage est un jeu d'élus. C'est l'élu qui donne, ce n'est pas le parti qui donne. Donc, vu ainsi, oui, FCBE est dans sa dynamique, donc en disant, ils vont négocier. Ils vont négocier auprès des partis, sans doute. Et donc, ils vont peut-être aller vers les élus. Les partis, oui, c'est bon, mais les élus, c'est ça, c'est eux, c'est l'élu qui donne le parrainage, ce n'est pas le parti. Est-ce que la force Cori pour un Bénin émergent dispose véritablement d'un certain nombre d'atouts pour pouvoir négocier et avoir ses élus? La réforme des partisans n'a pas pour vocation d'exclure, mais c'est d'éviter des candidatures loufoques, fantaisistes, des gens qui viennent amuser la galerie. Donc un parti sérieux qui a des élus, c'est normal que le parti postule. Donc, La capacité à obtenir un parrainage, c'est déjà votre capacité à convaincre. Si vous voulez être chef d'État, vous devez être en mesure de convaincre, d'avoir un discours cohérent, pas un discours de guerre, pas un discours anti-république, pas un discours contre les lois de la République, pas un discours contre les règles du jeu. Donc, à partir du moment où vous avez un discours cohérent, logique, en harmonie avec les règles en vigueur, les lois, la loi, les textes en vigueur, il n'y a pas de raison. Pour moi, je trouve que l'FBE ont saisi la bonne voie. Mais la question à se poser, Agapit Napoléon Mafourikan, c'est de se dire comment un parti de l'opposition peut arriver à convaincre un élu qui soutient donc les actions du président de la République, parce que le parti Force Cori pour un Bénin émergent proposerait peut-être pour la présidentielle de 2021 une autre alternative. Comment convaincre justement, c'est la question. La question, c'est, nous parlons de l'élection présidentielle. Et donc, l'élu n'est pas un élu pour son parti. L'élu est un élu de la nation. C'est un élu de la République. Donc, il agit au nom de la nation. Il regarde parmi les postulants qui a le bac, la capacité, donc, de postuler, donc, de concourir à la magistrature suprême, à diriger les Béninois pendant les 5 prochaines années. Vu ainsi, ce n'est pas une affaire de soutenir l'action du gouvernement ou de ne pas soutenir. Naturellement, lorsque viendra le moment opportun, un front se fera autour du chef de l'État, naturellement, s'il est candidat, pour porter sa candidature, non seulement ça, mais pour l'accompagner dans ce processus-là.
Mais il faut permettre également à l'alternance, c'est-à-dire qu'à d'autres personnes qui prônent autre manière de gouverner, donc d'avoir leur mot à dire. Donc, naturellement, je trouve que des partis républicains, des partis qui sont dans le jeu, qui font le jeu, qui jouent le jeu de la République, je dis le jeu de la République, pas le jeu partisan, le jeu de la République, qui se conforme aux lois de la République, qui respecte les sceaux et emblèmes et institutions de la République, il faut leur permettre donc d'avoir des candidats pour également nous proposer leur alternative. C'est ça. Donc, il est important que les élus, les 760 élus, en mesure de donner des parrainages, essayent donc d'aller au-delà du jeu partisan et analysent le contenu du discours, les engagements républicains pris par le candidat. Je mets l'accent sur l'ordre républicain parce qu'on ne peut pas bâtir un pays dans la division, on ne peut pas bâtir un pays dans la délation, on ne peut pas bâtir un pays dans les négations des valeurs fondamentales de la République. Et donc, il faut vraiment axer les échanges. Si en Côte d'Ivoire, il y avait un parrainage, je suis convaincu que toutes les candidatures qu'on a aujourd'hui, on ne les aura pas. Et n'oubliez pas qu'il y a quelques années encore, lors de la présidentielle de 2016, regardez le nombre de candidatures qu'on a eu au Bénin, plus de 30. Tout à fait, 33, voilà. Donc, on ne peut pas développer le pays avec ces genres de trucs. Donc, c'est pour ça que, oui, le parrainage permet donc de limiter, mais le parrainage ne doit pas exclure ceux qui sont prêts à jouer le jeu de la République, ceux qui sont prêts à honorer la République, ceux qui sont prêts à la défendre, et donc à diriger la Béninoise. On pourrait quand même se réjouir du fait qu'il y a un atout qui est là, au niveau quand même du parti FCBE, ce sont des expériences capitalisées dans l'univers politique au Bénin, de certains cadres donc, du parti, on ne parle plus du secrétaire exécutif national. On parle bien évidemment de l'ancien ministre d'État Gemba, voilà, par exemple, on parle d'un certain nombre. Est-ce que quel cadre pourrait conduire les négociations? Non, l'FCBE a suffisamment de cadres, ils ont des cadres pour... Et puis il y a un secrétaire exécutif national, donc il n'y a pas de débat là. Le secrétaire exécutif national du parti avisera, à mon avis, je pense que le parti a ses structures, a ses hommes. Et jusqu'à présent, ils s'en sortent. Le président Yahya a démissionné donc de la présidence d'honneur à la veille des élections communales. Ça n'a pas empêché le parti d'aller jusqu'au bout. Le parti s'est battu pour assumer lui-même les frais de campagne, les frais de dépôt des dossiers. Tout à fait. Des candidats en disant au président d'honneur qu'il peut se débrouiller même. Je pense qu'ils ont assez de la part. Je pense que c'est un parti qui essaye donc de tirer les leçons des errements de 2018. 2019, qui les ont empêchés d'aller aux élections législatives. Je pense que le parti est en train d'en tirer les leçons et donc de se prendre en charge, de ne pas jouer le jeu de la division dans lequel certains barons du système précédent les conduisaient. Et donc, oui, ils ont assez de personnalité, ils ont suffisamment de ressources humaines et de ressources morales pour pouvoir négocier et obtenir des parrainages. Quelle leçon le parti FCBE donne aux autres partis qui sont quand même contre le parrainage ou qui trouvent que le parrainage est un élément chrysogène? La leçon de la discipline républicaine, l'honneur à la République, le respect des valeurs républicaines, le respect des institutions de la République, c'est l'humilité de ne pas vouloir transformer ses rêves en loi républicaine. Le plus fort n'est jamais assez fort. S'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Donc, il faut avoir les institutions, notamment parlementaires, pour transformer son rêve, son désir en droit. C'est ça, l'État. Vous êtes porteur d'une vision, vous avez été élu, vous voyez avec le Parlement, et vous transformez votre vision en loi. Et c'est cette loi qui est appliquée qui vous permet d'atteindre les objectifs. Mais quand vous ne réussissez pas, la vision que vous avez de l'État, vous ne pouvez pas l'imposer en disant non, nous c'est notre vision, l'autre c'est mauvais. Si c'est l'autre qui est là, mais c'est l'autre qui a qualité à porter la vision, ce n'est pas vous. Donc il faudrait qu'on ait cette humilité-là. Sinon, les choses ne vont pas à l'endroit. Et c'est dommage. Beaucoup de choses vont à l'envers parce que tout le monde pense qu'il a la science infuse et qu'il peut... Et que sa vision est la vision de l'État. Donc, c'est une seule personne qui est élue pour conduire les destinées de la nation, de l'État, pendant une durée. Et cette personne est revêtue de plusieurs prérogatives qu'elle exerce. Donc, en la matière, nous avons un Parlement qui a voté les lois,
cette loi-là s'impose à tous les citoyens. C'est la loi d'État. Tout le monde doit s'équiper. Donc, on peut le mettre d'accord. On peut se battre pour faire changer la loi. Mais pour le moment, c'est la loi de la République. Il faut la respecter. Donc, la leçon que le FCB donne, c'est au moins cette leçon. Tout au moins, il dit, nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec cette loi. Mais pour le moment, c'est elle qui est là. Alors, on s'accommode et on avance. Quand on sera là où il faut être, on va changer. Je trouve que c'est ça la formule, l'aptitude à avoir. Et je pense que les autres candidats potentiels, les autres partis qui veulent présenter des candidatures, ont intérêt à s'appuyer sur l'exemple FCBE. Si le parti FCBE arrivait à avoir ses élus, ses parrainages, est-ce que cela ne confirmerait pas certains propos de certains béninois qui estiment que le parti FCBE est le troisième larron des forces de la mouvance? Si le parti FCBE obtient ses parrainages, en quoi le candidat du parti FCBE sera la même personne que le candidat? Donc, vous savez, il y a tellement d'incohérences dans ce type de discours qu'il faut laisser le terrain parler. Parce qu'il y en a qui ne sont là que pour fabriquer de leur pensée, transformer leur imagination en réalité, en inventer, désinformer. Et puis, si FCBE a son candidat, si la majorité a son candidat, comment les deux candidats peuvent être la une seule personne alors que l'électeur a le choix du bulletin? Quel est le problème? Je pense qu'il ne faut pas que des gens seront pris dans leur propre embrouille à mini. Je pense qu'ils sauront tirer les leçons. Très bien. On va évoquer ce sujet abordé, bien évidemment, par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, par rapport à l'ancien président de la République sur le terrain, Joël Aivor, sur le terrain. Est-ce que pour vous, Joël Aivor sur le terrain, on pourrait dire que c'est une précocité de la campagne présidentielle, campagne électorale? Non, puisque c'est une personnalité qui a une liberté de circulation et une liberté d'expression. Donc il n'a pas encore dit qu'il battra Patrice Talon à la prochaine présidentielle. Là, on dirait que c'est précoce et Patrice Talon n'a pas encore dit qu'il est candidat. Donc du coup, c'est un citoyen qui est là, qui circule et qui dit ce qu'il veut, ce qu'il dit, ce qu'il pense. Donc, ces affiches ne passent pas encore. Et c'est là qu'il faut comprendre la sortie de la présidence de la République. Parce que lorsque les affiches sont apposées, c'est comme la poster, oui. Voilà. Donc ici, dans le cas d'espèce, il n'y a pas d'affiche, il y a circulation, il y a expression, il y a conférence, il y a rencontre. On partage un peu quand même également ses idées, ses ambitions pour ce pays. Quand on dit que je suis le médecin de la démocratie, quand on dit par exemple que je propose une nouvelle alternative, il y a des exilés qui rentreront dans 7 mois si je suis élu, un certain nombre de choses. Mais bien sûr, c'est pas encore la campagne électorale. C'est l'animation de la vie politique. Maintenant, la question de savoir si une personnalité peut le faire, peut animer la vie politique. Ça, je ne peux pas le dire, je ne sais pas, avec force aussi un partisan. Je ne sais pas s'il y a un individu, quel qu'il soit, peut se lever seul et déjà animer la vie politique. Mais au moins, il y a les libertés reconnues à l'article 23 de notre Constitution. Et donc, je pense qu'au regard de cette liberté d'aller et venir, de s'associer, donc d'expression, je pense qu'au nom de cette liberté, il peut aller et venir. Sauf si le code électoral était rappelé à l'ordre. Enfin, on lui rappelait à l'ordre du code numérique au regard du code électoral, afin que le candidat et que l'individu n'anime pas la vie politique. Ça, je ne peux pas le dire. Il faut peut-être voir un peu parce qu'il y a les subtilités de l'écriture juridique. Il faut peut-être voir, est-ce qu'au niveau de la Constitution, est-ce que c'est évoqué clairement? Pas évident. Parce que, avant de dire je suis candidat, il faut déjà travailler un certain nombre de postulats et de postures, déjà. On ne peut pas le faire entre 4 minutes, il faut sortir, il faut rencontrer des gens. Ouais. Très bien, nous allons finir par la junte militaire au Mali qui procède à des nominations. On prend du temps. Oui, non, mal interne, non, on attend le Premier ministre, on attend le président de la transition. On attend la réponse. En fait, ils ont besoin beaucoup de conseils parce que là, vous voyez qu'il y a beaucoup de conseils spéciaux. C'est-à-dire que, les conseils de Moussa Traoré n'ont pas suffi. Donc, il faut avoir d'autres conseils. Non, pas ça. Je dis d'abord, ils essaient de restructurer un certain nombre de services. Les services de renseignement, les services d'état-major, les services des armées. Ils essaient de les rendre proches d'eux parce que jusque-là, malgré le push,
ces anciens dirigeants qui étaient censés être en poste, même si certains ont été arrêtés par ailleurs. Donc, il fallait rendre fonctionner ces structures-là. Et vous allez voir que la plupart des structures militaires ou dominées par les militaires, comme les renseignements. Ouais, donc, il gagne du temps un peu, c'est vrai. Il n'a pas encore de suite à la CEDEAO. Justement, à la création d'un an. Alors que c'est ça qu'on les attend. Mmh. Voilà. Bon, en tout cas. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapite Napoléon Wafourekan. Vous êtes notre consultant politique, expert électoral, expert en gouvernance, consultant médias et communication par ailleurs. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis également. C'est fini pour votre émission Le Grand Soir pour le compte de ce jeudi 3 septembre 2020. Agréable suite des programmes sur nos antennes.